Nous sommes aujourd'hui à l'after du Melting Crew où nous allons accueillir MNK, Crew Céleste et le groupe CDG et on aura une petite surprise en fin d'émission rien que pour vous. Dans l'after, vous pourrez trouver les impressions des personnes qui ont fait le Melting. Vous pourrez aussi retrouver leurs conseils pour les futurs artistes et les futurs groupes qui vont s'inscrire. D'ailleurs, les inscriptions, elles sont ouvertes. Donc, c'est le moment de postuler pour pouvoir faire la scène du Melting Crew et notre nouvelle édition. On vous réserve encore plein de surprises pour ces fêtes et aussi pour le Melting Crew de l'année prochaine. Donc, restez branchés. Nous sommes aujourd'hui à l'after du Melting Crew avec CDG. Comment voilà, vous allez, ça. Les gars? Ça va très bien. Tout se passe bien? Comme on dit chez nous, dégâts. Et là, on va commencer l'interview d'après le Melting. Il me semble que vous avez performé, il me semble que vous avez même, je crois, gagné des trucs, mais je suis pas trop sûr. Donc, on va commencer par le commencement. Comment s'est passée votre performance au Melting? Alors, on a été très heureux et très fiers de monter sur scène sur le Melting Crew. Et on espère revenir peut-être une prochaine fois. Qu'est-ce que ça vous a fait d'être sur scène? Du cœur, du cœur. On sent que t'as kiffé. Et si je me trompe pas, vous avez gagné le prix du meilleur clip, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. C'était sur quel son? C'était sur Call Me Baby. D'accord, et vous avez fait combien de vues sur YouTube? Alors sur YouTube, on a fait 4 millions de vues. Ah ouais, quand même. C'est énorme. Et sur Deezer, Spotify, on en est au niveau des streams? Au niveau des streams, on a 2 millions de streams déjà, sur un peu partout, en vrai. Ah, c'est bien. Ouais. Ok. Et vous avez fait ce son au Melting, est-ce que les gens étaient réceptifs? Bien sûr. Ah obligé. Ouais. Ils avaient bien aimé. Ça sent qu'il a bien tourné quand même. Il a tourné où? Un peu partout, à Londres, en Belgique, en Suisse, ouais, Pays-Bas. Un son international. Exactement. Fait. C'est génial. Et quelles sont vos actualités? Ben là, on vient de sortir un dernier son qui s'appelle Shana et qui a été assez bien reçu par le public. Hein. Vous pouvez me faire une petite démo ou pas? Si possible. Hein. Allez, on t'écoute. Dégâts. Montre-moi de quoi t'es capable pour être collé comme le signe papa. T'as la ligne et la bêtise ma paix. Et vidé à la recherche de ma paix. Ok. Et là, ce son il est déjà sorti? Ouais, il est déjà sorti. Ça fait 7 jours déjà. Ah ouais, donc ouais. YouTube. Partout. Ok. Sur les plateformes, partout. Et en termes de fournitures scolaires, vous avez pu nous donner des fournitures, il me semble. Oui. On est très engagé envers les causes caritatives. Okay. Ça veut dire, je sais déjà que Lord Obama, côté fourniture, dégâts. Ok. Voilà. Et quelles sont là vos actualités directes? Est-ce que vous avez des scènes en 2024? Parce que là, l'année, elle est terminée. Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez nous balancer une petite actu ou... Ben là, déjà, on revient d'une petite tournée. D'accord. On a presté à Londres. En Belgique, en France, et bientôt peut-être nani nanana. Ok. Mais 2024, on revient avec beaucoup de surprises. Peut-être un album. On attend ça. Peut-être un concert aussi. Mais j'espère que vous allez surtout jouer votre album au Melting. Obligé. Vous le refaites ou pas cette année le Melting? Obligé, donc j'attends le contact déjà à Fouz. Afouz, on te parle, si... j'espère que tu nous écoutes. Et moi, juste une petite dernière question, CDG, ça signifie quoi? CDG, ce que ça signifie? Ouais. En vrai, c'est un état d'esprit. D'accord. C'est plus un état d'esprit, il n'y a pas de signification en vrai. C'est plus un état d'esprit que nous-mêmes, on a employé. Ok. Vous avez employé voilà. Ça, comment c'est arrivé? Comment c'est sorti? C'est sorti en mode, tu vois quelqu'un comme Maka... 1m90, tu dis ah, CDG. Tu vois comme un mec comme Moutinho. Petite paire de Balenciaga. Ouais. Tu vois, lui, il est en mode CDG. Okay. CDG, c'est vraiment un état d'esprit, c'est une manière d'être, de faire. Et voilà, il n'y a pas de signification directe. Okay. C'est plus un état d'esprit. Bah, merci beaucoup, les gars. On arrive en fin d'année, donc j'aimerais vous souhaiter un joyeux Noël. Et une bonne année à tous. Alors déjà, bonne année à tout le monde. Joyeux Joël. On déforme à notre manière. Joyeux Joël à tous. Passez de bonnes fêtes. Gros bisous et bonne année. Merci. Dégâts.